Si la chorale du Collège arménien de Sèvres s'était réunie ce jour-là au grand complet, c'est qu'il s'agissait de fêter une double date importante dans la vie de l'établissement, son 125e anniversaire, et puis l'inauguration de tout un nouveau bâtiment. Le révérend père Bogos Ananian, abbé général des pères mikitaristes, avait fait exprès le voyage de Venise à Paris pour présider la cérémonie. À sa droite, Mgr Kud Nakashian, évêque auxiliaire arménien de Paris. À sa gauche, M. Santinelli, recteur de l'Académie de Versailles. Le père supérieur bénit les nouveaux locaux avant que M. Santinelli ne tranche le ruban symbolique. À droite sur votre écran, un autre invité de marque, Mgr Manoukian, archevêque des Arméniens orthodoxes de France. Monsieur le professeur Frédéric Fédit, directeur civil, se fait l'interprète de tous les responsables du collège. A choisi pour le représenter et pour présider cette cérémonie la personnalité la plus proche du collège, vous-même, monsieur le recteur de l'Académie de Versailles, académie dont dépend notre établissement. Et dans une lettre dont l'amabilité nous a émus, Monsieur Limousy, s'excusant de ne pouvoir assister en personne à ces cérémonies, nous a promis spontanément, faisant la preuve de l'intérêt bienveillant qu'il porte au collège, de venir visiter notre établissement dès que ses occupations le lui permettraient. Nous vous prions, Monsieur le recteur, de bien vouloir lui transmettre des assurances de notre profonde gratitude et de notre dévouement. Mon père, si vous m'autorisez à vous poser une question un peu abrupte, j'aimerais vous demander pourquoi ce collège arménien en plein Paris. C'est une histoire assez longue. Le collège existe à Paris avant même l'existence de la communauté arménienne à Paris. Eh bien, le fondateur, disons le bienfaiteur principal, M. Samuel Moradian, avait demandé à l'ordre des pères mékitaristes de Venise de fonder un collège en Europe pour éduquer les enfants arméniens du Proche-Orient. Et il voulait leur donner une éducation occidentale. Eh bien, la direction de la congrégation a bien pensé de l'installer à plein Paris, étant donné que Paris était la ville lumière. Maintenant, l'importance du collège prend une nouvelle dimension à cause de la présence d'une communauté arménienne en France. Ça date, disons, depuis déjà 50 ans, cette communauté, et le collège a tout à fait une autre mission. C'est pas seulement de donner une éducation occidentale aux Arméniens d'origine, mais c'est de donner plutôt une éducation arménienne
aux Arméniens qui malheureusement sont en train de perdre leur civilisation peu à peu. Un retour aux sources. Un retour aux sources. Vous voyez, le début c'était différent et la fin c'est tout à fait autre chose. Quand vous parlez d'Arméniens, mon père, je crois qu'on pourrait dire aussi une éducation religieuse arménienne. Certainement, certainement, parce qu'on ne peut pas séparer l'Arménien de sa religion, de son Église, parce que toute l'histoire de l'Arménie est une continuité d'histoire, de religion et de nation. Alors, chez les Arméniens, l'éducation nationale comporte, par conséquent, l'éducation religieuse. Récitons notre père, Nach signe de croix, à l'arménien, les trois doigts unis, ensemble. Amen. Satmer Hanabazor, tous mes aïsos, et formes par l'ismer, vos bessiens mec, ton peros par la banat, et mécanismes et potion, à que bien chaises et corps, à la bien de son, et pas de la bien samen. Parfois, et votre une seule peau, à que bien d'adorer, amen. Pour quelle raison Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, se fait homme? À toi de répondre, Arakelian. Jésus s'est fait homme pour nous sauver et nous instruire par ses paroles et par ses exemples et remettre le péché des hommes. La leçon de catéchisme. Le Père expose ce que sont les sacrements de l'Église et parle du baptême. Il demande, comment devenons-nous chrétiens? Un élève répond, nous devenons chrétiens par le baptême. Si on a été persécuté pendant des siècles, c'était pour notre religion, et ce n'était pas parce qu'on était un peuple très fort pour dominer, on n'était pas ça. Justement parce qu'on était chrétiens, et ça embêtait nos voisins, qu'ils soient turcs, iraniens ou autres. Leçon de langue arménienne. La leçon a trait au poète arménien Hovhannes Shiraz. L'élève récite une de ses poésies. Leçon de littérature arménienne. Le père interroge les élèves sur la biographie du poète Daniel Varoujan. Il rappelle que Varoujan est lui aussi un ancien élève des Mekhitaristes. Monsieur Antoine Zamantian, vous représentez pour nous ce que j'oserais appeler un exemple particulièrement précieux, puisque vous habitez Marseille et que vous n'avez pas hésité à placer ici votre enfant en pension. Je désirais que mon fils apprenne l'arménien
et je ne voyais pas une autre école susceptible d'être plus compétente que celle-là pour pouvoir le mettre à cette école-là. Et ça ne vous fait pas de peine de le savoir au loin? La peine, oui, ça fait toujours peine à quelqu'un de mettre son fils à 900 km de chez lui. Mais enfin, c'est un sacrifice comme un autre pour dire que mon fils apprenne vraiment la langue arménienne, les mœurs, les origines et tout ce qu'on peut... Est-ce que vous connaissez vous-même l'arménien? Je le parle assez couramment, mais au point de vue lire et écrire, pas trop. Est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas un petit complexe d'infériorité maintenant que votre fils parle et lit et écrit couramment l'arménien? Vous ne comptez pas vous y mettre à votre tour? De temps en temps, j'y pense. Bon, alors, vous prenez donc la scène 3 de l'acte 1. Nous avons déjà vu la scène 1 et 2 la dernière fois. Nous allons rapidement voir qu'est-ce que nous avons vu dans ces deux premières scènes. Est-ce que vous vous souvenez des personnages? Est-ce que vous pouvez rapidement m'en donner un petit aperçu? Alors, il y a d'abord deux personnages, Figaro et le comte. Oui. Le comte est un riche qui fait... Un riche. Un homme. Oui, un homme, un riche seigneur. Oui, et il se retrouve à Séville et il rencontre Figaro. C'est un ancien de ses serviteurs et il commence à discuter, enfin ils se reconnaissent. Longtemps après. Quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas un mot d'arménien, ni oui ni non, enfin absolument rien. Et au fur et à mesure, j'ai pu apprendre. Je crois que votre mère ne parle pas l'arménien. Non, ma mère est française, alors à la maison, automatiquement, on parle en français. Et elle a accepté facilement que vous fassiez vos études dans ce collège? Ah oui, sans aucun problème, absolument, oui. Mon père, votre collège est en plein développement, en plein essor. Vous venez de construire une nouvelle aile. Oui. Comme vous l'avez constaté, on a terminé ce nouveau bâtiment. Mais tout ce que je veux vous dire à cet instant, ce n'est pas la construction, mais c'est la façon de l'avoir obtenue en si peu de temps, cette construction. Eh bien, quand on reçoit d'un jour à l'autre un chèque d'un inconnu, d'une veuve qui arrive et qui vous donne toute sa richesse, disons, toutes ces économies. Récemment, on a reçu par exemple un chèque anonyme d'une veuve
qui nous a laissé 2 millions de francs anciens, en disant « C'est tout ce que je peux te donner pour nos élèves, pour nos enfants. » Un autre qui arrive d'un hôpital parisien, un vieux arménien, qui n'a même pas mis son nom, qui ne sait même pas l'arménien, qui l'a complètement oublié, mais qui a entendu parler du collège, alors il dit « Mes économies, c'est 500 francs, je vous les envoie pour la nouvelle génération arménienne. » Mais est-ce que, au moins ici, vous vous sentez bien dans votre peau? Ah oui. Vous êtes heureux? Oui, je me sens à ma place, quoi. Et j'estime que je ne l'étais pas avant d'arriver ici, quoi. Maintenant, je me sens vraiment très proche. Je sais ce que c'est que les Arméniens. Batmania, Musadari mech herosamar de inch vershavortyun unetsav. Leçon d'histoire de l'Arménie. L'élève retrace la bataille de Musadag, la résistance héroïque en 1915, d'un groupe d'Arméniens qui n'ont dû leur salut qu'à la flotte française venue à leur secours et qui leur a permis de se réfugier au Liban. Jean Kizérian, vous êtes un ancien élève de ce collège. Est-ce qu'il vous arrive d'y revenir souvent? Oui, et chaque fois avec émotion et plaisir. Est-ce qu'après avoir quitté le collège, vous avez eu quelques difficultés à vous adapter à l'enseignement français normal, classique? Un tout petit peu, les premiers temps, et puis on s'adapte très vite. Quand vous repensez à toutes ces années passées ici, est-ce que vous avez l'impression qu'elles vous ont été utiles? Elles ont été énormément utiles sur le plan moral, spirituel. C'est une utilité, c'est beaucoup plus en profondeur, ça se passe à l'intérieur de soi. Vous êtes père de famille, je crois. Oui. Vos enfants sont encore très jeunes. Oui, 7 ans, 4 ans et oui. 4 mois. Est-ce que lorsqu'ils auront l'âge de pouvoir être inscrits dans cet établissement, dans ce collège, vous comptez les mener ici? Oui. Ov Medzaskanch, un chant à la gloire de la langue arménienne. Nachir, Nachir, Nachir.
La prière du matin des élèves. Jésus, je veux te ressembler. La consécration du vin. L'élévation solennelle, séparée de la consécration par l'épiclèse et le pater dans le rituel arménien. La bénédiction avec les saints sacrements, invitant les fidèles à la communion. Der Vorormia, que Dieu ait pitié de nous. La bénédiction finale qui correspond à l'Itamissa Est des Latins. Madame Iramian, avant d'inscrire votre fils au collège arménien, j'imagine que vous avez dû longuement peser le pour et le contre. Alors, quels ont été les arguments qui vous ont convaincu? Qui m'ont convaincu? J'avais besoin que mon fils soit un homme dans la vie. Et je pensais qu'en le mettant au collège arménien, il en sortirait ce que l'on appelle un vrai homme. Parce que il apprendrait et l'histoire française et l'histoire arménienne, puisqu'il était d'origine arménienne. Pour clore la cérémonie, grand rassemblement dans la salle des fêtes. Monsieur Gloridian, président du comité pour la construction du nouveau bâtiment, remercie tous les Arméniens qui ont apporté leur aide. Une
danse traditionnelle, celle des bergers, par le groupe Navasart. Puis la chorale Tsipam Comitas chante Hoinar, un air populaire qui invite à la danse et à la joie. Ainsi, dans notre Paris d'aujourd'hui, se perpétuent les traditions et la culture d'un petit peuple fier qui ne veut pas mourir, les Arméniens.